Je m'appelle Mélanie Christin et je suis co-gérante de Atelier 801, un studio de jeux vidéo indépendant. Alors Transformice, c'est un platformer multijoueur, c'est-à-dire que c'est comme Mario, il faut sauter de plateforme en plateforme, sauf qu'il y a beaucoup de joueurs avec soi, donc on est une vingtaine de joueurs qui sautent sur les plateformes en même temps, et le but c'est d'aller récupérer le fromage et de le ramener au début du niveau. Donc pour ça, il faut sauter de plateforme en plateforme, et de temps en temps, il y a des plateformes qui sont inaccessibles. Donc il y a un joueur parmi les 20 joueurs qui est élu chaman, qui permet en fait d'invoquer des caisses et des planches pour permettre aux souris de traverser les endroits inaccessibles pour leur permettre d'aller chercher le fromage et de le ramener. Donc c'est à la fois coopératif, parce qu'il faut que les gens coopèrent entre eux pour pas que la construction du chaman s'effondre, mais c'est aussi compétitif parce qu'il faut être le premier à ramener le fromage. Les premiers jeux sur lesquels j'ai joué, ça serait sûrement sur la Mega Drive et puis sur le PC. Donc il y a eu le fameux Tetris sur PC aussi. C'était un petit peu le premier contact qu'on a eu avec le jeu vidéo avec mon frère. Ensuite il y a eu la Mega Drive avec tous les Sonic. Ensuite il y a eu la Super NES. Et puis on a continué comme ça sur le cycle des consoles. Donc sur la 64, sur la GameCube, etc. On était très Nintendo à l'époque. Je m'appelle Levray Allison et je suis étudiante en dernière année de Game Art à New Edge, dans une école de jeux vidéo à Paris. Au début, je savais pas trop vers quoi m'orienter parce que j'étais pas super fan des écoles privées. Du coup, j'ai essayé de faire une mise à niveau en art appliqué à l'ESAT à Roubaix, qui était juste à côté d'Ankama. Ça s'est très très mal passé parce qu'en fait, ce que je savais pas, c'est qu'on dessinait pas. J'ai appris l'histoire de la chaise, j'ai appris comment dessiner des oignons et tout, mais j'ai jamais appris à dessiner le corps humain ou quoi. Donc, je suis partie en dépression au mois de mars. J'ai réussi ensuite à me faire accepter à Izard Digital, où je pensais que ça serait assez sympa, mais en fait ça a été un peu la même chose, j'ai dessiné des cubes pendant 3 mois. Et du coup, là ce que je te dis c'était directement après le lycée, hein, directement après une première aile option art plastique. Et du coup, après Izard Digital, je suis arrivée à New Edge, et là j'ai enfin fait ce que je voulais, et du coup je suis restée dans cette école pendant... ça fait 3 ans que j'y suis. On a une chaîne YouTube avec 2 amis, qui s'appelle Sa Cartouche, dans lesquelles on s'amuse à... analyser le médium du jeu vidéo, en fait, toutes les influences que peut avoir le jeu vidéo sur les joueurs ou sur, même sur des sujets de société, en fait. Le tout dernier épisode qu'on a fait, d'ailleurs, et qui va pas tarder à sortir, c'est celui sur la violence, en fait. Est-ce que les jeux vidéo incitent vraiment à la violence et finalement tous leurs penchants qui peuvent être négatifs ou positifs? Donc voilà, on s'amuse à analyser ce genre de choses et on s'amuse bien. On aurait une avalanche de chiffres à vous donner, mais voici les grandes lignes. L'industrie du jeu vidéo dans le monde, c'est 76 millions de dollars. 80% des Français ont déjà touché à un jeu vidéo, et 50% de la population se définit comme joueuse. Les jeux vidéo sont donc devenus une pratique culturelle de masse. Ils sont plus diversifiés et plus accessibles. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Quand je me suis lancée justement sur YouTube, il y a la première chose que m'ont dit plein d'amis à moi, c'est « Ouais, t'as pas peur de tous les commentaires que tu vas prendre ?» Et les trois quarts... En fait, j'ai un peu l'impression que si jamais un jour il y a un commentaire mauvais qui arrive et que je m'en plains, tout le monde va faire « Bah ouais, mais t'es une fille en même temps. » Et du coup, il y a tellement ce sentiment qui s'auto-nourrit en fait avec tous les gens qui le disent comme si c'était une évidence que bah ouais, c'est une évidence. J'imagine qu'on va s'en prendre plein la face. Alors, je m'appelle Balmora, j'ai 24 ans et je suis étudiante en éducation thérapeutique du patient. J'ai pas mon ordinateur ici parce que je suis pas chez moi, mais ouais, donc j'ai une tour, un fond vert pour pouvoir faire l'incrustation dans le jeu, pour pas que ça gêne, pour qu'on puisse bien voir le jeu sur l'écran. Donc je stream sur Twitch depuis 3 ans environ. J'ai découvert Twitch en essayant de progresser à un jeu, Monster, dans lequel j'étais nulle et j'arrivais pas à avancer, et on m'a dit « va voir sur Twitch ». Et j'ai découvert Twitch, et au bout de 2-3 mois à regarder des lives, et à partir du moment où j'ai commencé à être forte à Don't Starve, je me suis dit « bah écoute, pourquoi pas moi, je pourrais ouvrir ma chaîne et streamer du Don't Starve aussi, pour permettre aux gens aussi de comprendre le jeu. » Le bûcheron. Ah oui, c'est vrai, ouais, t'as raison. Ça, je le range, je sais pas où. La seule donnée qu'on a et qui est partagée globalement par tout le monde, c'est que aujourd'hui, dans la sociologie globale des joueuses, que ce soit dans le monde ou en France, on estime qu'à peu près la moitié des joueurs sont des femmes.
m'appelle Sophie et j'ai 20 ans. Je suis étudiante en fac d'anglais. Moi, j'ai commencé à jouer quand j'étais toute petite. J'ai pas commencé avec des jeux en ligne, mais en fait, ça rentre un petit peu dans le parcours typique, on va dire, de la fille des jeux vidéo aujourd'hui, même si, bon, c'est un peu dommage, mais mon frère jouait beaucoup aux jeux vidéo, mon père aussi. Je les ai beaucoup regardés jouer. Et au final, alors que eux se sont vachement décrochés des jeux vidéo, moi, j'ai continué parce que j'ai vraiment trouvé une passion là-dedans. Et ouais, donc franchement, ça fait depuis que je suis petite que je joue. Après, j'ai eu une première expérience en ligne avec le jeu World of Warcraft. J'ai commencé là-dessus. Et puis après, j'ai dévié un peu sur League, mais ça fait depuis longtemps, ouais. Je suis venue avec mon équipe féminine. Ça fait un an qu'on est ensemble et du coup, on est venue pour essayer la compétition. On avait déjà fait une LAN, enfin, elles avaient déjà fait une LAN avant, il y a quelques mois de ça, et moi, j'en faisais pas partie. Donc du coup, c'était ma première fois avec elles, c'est ma première fois avec elles aujourd'hui. Je sais que j'ai commencé un peu plus tard que les autres parce que ma première console c'était la Game Boy Color et ma première console de salon c'était la PlayStation parce que ma famille elle était vraiment pas fan des jeux vidéo, pour eux c'était un peu Satan, ça va rendre les enfants mauvais et tout ça. Donc j'ai juste eu une PlayStation, je saurais pas te dire à quel âge honnêtement, je sais pas, j'avais peut-être 7-8 ans, mais vraiment je te dis ça au hasard. Tout ce que je sais, c'est que j'avais la Game Boy Color et que les seuls jeux que j'avais sur Game Boy Color, c'était Pokémon. J'ai hâte de pouvoir mettre ma patte sur certains trucs et si jamais un jour on demande à quelqu'un « Ouais, tu t'aurais un personnage féminin de jeu vidéo assez badass à nous présenter », j'espère qu'on parlera du mien que j'aurais pu créer dans un futur quelconque, un personnage quoi. J'ai commencé les jeux vidéo vers 6 ans, avec des jeux éducatifs comme pas mal d'enfants à ce moment-là. Et du coup j'ai commencé avec Adibou, Adi, enfin toute la série des Adibou et des Adi. Et ouais, c'est comme ça que j'ai commencé par ces jeux-là. Mon premier jeu préféré, c'était Hospital. J'y ai joué pendant tellement d'années et j'y joue encore, donc tu vois, c'est vraiment un jeu. Et en plus, il est vieux, hein. Pour moi, il est même pas démodé, finalement, il est bien. Donc, on peut presque dire que c'est mon jeu préféré. Après, le jeu sur lequel j'ai passé vraiment le plus de temps, c'est The Binding of Isaac. J'y ai passé, je sais pas, genre peut-être 3000 heures dessus, peut-être plus, tu vois. J'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps dessus et... Ouais. Puis c'est un jeu que j'ai compris je pense, de A à Z, surtout le premier. L'original, je connaissais presque, enfin je pense tout dessus. Les glitches, enfin tout ce qu'il pouvait y avoir sur le jeu, je le connaissais, donc... ouais, je pense que c'est mes deux jeux préférés. Ils vont faire des choses pour toi. Genre par exemple, le premier qui me suit, en gros celui qui est relié par un truc dégueulasse, c'est un petit bonhomme qui va les approcher et les bouffer en... Mon parcours, alors donc je suis restée infogramme, je suis rentrée infogramme donc en tant qu'infographiste où j'ai travaillé sur différents jeux comme Alone in the Dark, Prisoner of Ice, enfin plusieurs jeux et puis des jeux consoles après derrière. On avait fait Mission Impossible sur la N64. Je suis partie travailler aux États-Unis un petit peu pour infogramme justement pendant 6 mois. Et à la fin de... je travaillais sur Outcast aussi, à la fin de mon parcours à infogramme, avec des collègues d'infogramme, on a monté une société de développement de jeux vidéo qui s'appelait Widescreen Games, c'était en 1999. Moi quand j'ai commencé à infogramme, on était 80, il y avait deux filles. Donc c'était plutôt rude au début parce que c'est quand même une ambiance assez particulière. On s'y fait très vite mais c'est compliqué, il faut se battre, il faut toujours prouver qu'on a les compétences alors qu'on les a tout autant que les autres, mais qu'on n'est pas nombreuses, il faut vraiment faire ses preuves entre guillemets. Et puis la situation a quand même évolué au cours du temps, mais dans une certaine mesure. Quand on avait notre société Widescreen Games, on était ouais, 100-120, il devait y avoir 10 filles, 15 filles. C'est super gratifiant de bosser dans le jeu vidéo parce que on fabrique des choses et on les voit marcher sous ses yeux, c'est limite c'est créer la vie un petit peu, donc c'est... Et surtout on crée quelque chose qui apporte du plaisir aux gens, là où il y a d'autres métiers où c'est un peu plus compliqué quoi, mais là notre travail est apprécié en fait par des millions de gens, surtout sur notre jeu Transformers, on a des millions de gens qui en profitent et qui adorent le jeu et qui nous le disent. Et c'est en ça, c'est vraiment le retour des joueurs qui est le plus satisfaisant, je trouve, dans notre travail, le fait de travailler dans le jeu vidéo.
Pour l'instant, ce qui m'embête un peu, c'est que quand je vois des gens qui font des personnages hyper sexualisés et que je leur demande « Ouais, mais pourquoi tu fais ça ?» Ils me font « Ah bah, parce que c'est sexy ou parce que c'est joli et tout. » Du coup, c'est un peu l'idée de devoir faire réfléchir les gens, et à chaque fois, ça me fait passer pour la méchante ou la féminazie ou des trucs comme ça. Et je veux dire, ils se rendent pas compte à quel point ils sont pas concernés, donc ils s'en fichent. Mais du coup, à quel point moi, je me sens concernée, parce que bah, voir un personnage mis à moitié à poil comme ça, qui va faire n'importe quoi et faire la demoiselle en détresse très vite, c'est vraiment énervant à force. Je veux dire, il faudrait qu'on change, il faudrait qu'on passe à autre chose. Et les gens ont encore du mal à se rendre compte de ça, surtout dans mon milieu en fait. Je suis une grosse mangeuse de MMORPG. Et quand j'étais jeune, donc aux alentours de 15-16 ans, j'ai vraiment dû me cacher le fait que j'étais une fille. Donc je me faisais passer pour un mec, j'essayais de jamais passer sur les channels vocaux et des trucs comme ça, parce que à la seconde où ils savaient que j'étais une fille, je me prenais toutes les remarques à la con, et du coup depuis, sur tous les MMO, je joue en solo en fait. C'est triste, mais soit je joue avec mes amis, soit je joue en solo, parce que ça m'a vraiment saoulée. J'ai 26 ans et je suis actuellement en alternance dans le développement web. Donc au niveau de l'équipe, la saison dernière, on avait le système d'équipe classé sur le jeu qui a disparu cette saison-là. Et notre nom d'équipe, c'était Unknight Ladies. Parce que bon, il y avait d'autres équipes Unknight et tout, donc c'était juste pour eux. Et en ayant ça dans notre nom, c'est vrai que des fois, l'équipe adverse, quand on rentre en jeu, c'est « Oh, vous êtes des filles !» je vous offre un skin si vous me laissez gagner, enfin des choses comme ça, ils essaient d'acheter, enfin, de proposer des choses. Après c'est pas systématique non plus, mais ouais ça arrive, et ça arriverait pas à une équipe qui aurait un nom banal quoi. À un moment j'ai été confrontée avec tout ce monde sur ma chaîne à des remarques un peu qui me gênaient un peu, du style tu joues bien pour une fille, et ce qui fait que j'ai décidé de faire un débat là-dessus sur ma chaîne, et c'est à ce moment-là que Fab est venu me voir en me disant bah écoute c'est cool, tu veux pas bosser pour nous. Et ouvrir la chaîne Twitch Mademoiselle en fait. En vrai, c'est un peu compliqué d'être une femme sur Twitch, malgré tout. Malgré tous les côtés positifs que t'as et que t'aurais que si t'étais un mec aussi. Les côtés négatifs, c'est que. Donc t'as les remarques sur ton skill. C'est-à-dire qu'un garçon qui joue mal sur Twitch, en général, on va lui dire t'es nul, lol. Ça va s'arrêter là. Mais si t'es une fille, tout de suite on va te dire ouais, en fait, tu sais pas jouer, mais t'es une fille, c'est normal, tu vois. Et du coup, c'est un peu vexant des fois. Ça arrive pas à chaque fois. Ça peut aussi des fois se transformer en quelque chose de positif, genre ah ouais, tu joues vraiment bien pour une fille. C'est étonnant, tu vois. Je pensais pas que les filles jouent aussi bien. Ce qui est un peu gênant comme remarque, mais c'est plutôt positif. Je pense que ça montre une évolution, quoi. On doit apprendre son métier, on va dire, de manière beaucoup plus pertinente et efficace. Par contre, il y a toujours cette justification. Moi j'étais chef d'entreprise, j'avais la direction artistique, la direction technique en même temps. Ça m'arrivait bien souvent qu'on vienne me voir en me disant « Ah bon, mais comment t'as fait pour... ?» Enfin voilà, il y a toujours ce truc, c'était impossible, ça paraît impossible. Alors que non, les compétences elles sont là chez les filles comme chez les garçons, il n'y a aucun doute. Quoi. Un signal peut-être qui est intéressant, c'est de regarder les compétitions de e-sport, regarder ce qui se passe au niveau de ces compétitions. On voit qu'il y a de plus en plus d'équipes féminines qui se montent. On voit qu'il y a des joueuses aussi qui émergent sur la scène internationale. Donc je pense que ça aussi, ce sont des éléments qui vont permettre probablement à des jeunes femmes de fixer un élément en se disant « bah voilà, ces jeunes femmes réussissent, donc il y a la possibilité, en étant une femme, d'avoir un avenir en tant que joueuse dans ce secteur d'activité. » Moi avant j'ai fait plusieurs équipes féminines et j'ai fait plusieurs équipes mixtes aussi. J'ai un peu touché à tout et l'ambiance au sein d'une team féminine, c'est pas du tout la même qu'au sein d'une team mixte. Et au sein des teams mixtes dont j'ai fait partie avant en fait, on était teammates mais on n'était pas vraiment plus que ça, amis ou quoi, alors que là franchement ce qui fait le noyau de notre équipe et ce que je recherche dans une team féminine, c'est qu'on est vraiment des amis et c'est juste trop bien quoi, parce qu'on fait de la compétition ensemble mais on a vraiment une bonne synergie et c'est trop bien et c'est super. Moi je le prends en rigolant parce que les gens qui disent ah, tu joues aux Sims ou tu joues à Candy Crush, moi je leur dis je te défonce quand tu veux sur Isaac, y a pas de soucis mec, du coup ça va. Du coup la personne se... En fait c'est, tu sais, ils se rendent compte que c'est un peu con ce qu'ils disent.
Mais c'est pas... non, mais sinon j'ai pas eu énormément de critiques comme ça. Parce qu'en général, les gens que je connais maintenant, c'est des gens qui me connaissent sur Twitch. Donc ils savent que je joue pas que à des jeux faits pour les filles, que je joue à plein de jeux différents et que je peux rentrer dans la catégorie des gamers, tu vois. C'est un peu ça le problème, c'est qu'on a... les gens ont l'impression qu'une fille qui joue, c'est pas une gameuse. Et en fait, je pense que je le suis à partir du moment où les gens comprennent que oui, je suis une gameuse et que c'est... Enfin, que ça va, tu vois, c'est bon. Et ben, ils m'embêtent pas. Ils vont pas me dire, oui, tu joues aux Sims. En plus, j'aime pas les Sims. nous sommes favorables à traiter ces questions-là. On le fait dans nos jeux, on le fait dans nos équipes. On a vraiment une volonté de valoriser les femmes à tout point de vue dans notre industrie. C'est vraiment un sujet pour nous très important. Il y a un certain sexisme inhérent au milieu maintenant, il y en a sur beaucoup d'autres milieux aussi, il n'est pas forcément pire qu'ailleurs, mais effectivement il est présent. Mais bon, c'est l'internet en général aussi, c'est un petit peu compliqué de se faire entendre quand on est une fille, donc c'est un peu inhérent à toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui, à internet et à ce milieu-là. Donc c'est un problème du milieu, mais... C'est pas parce que c'est du jeu vidéo que c'est sexisme, c'est la société en général, en fait. Franchement, je sais que c'est très compliqué dans la vraie vie de réussir à avoir des amis ou de se sentir bien à l'école ou de se sentir bien tout court et de trouver des personnes qui nous correspondent vraiment. Alors si on a cet attrait pour les jeux vidéo et qu'on a envie de partager un bon moment et une passion avec des gens qu'on apprécie, franchement les jeux vidéo c'est super chouette. Après qu'on soit compétitif ou pas, c'est vraiment une passion qu'on partage. Et en LAN, franchement, mais c'est le meilleur des trucs parce qu'on est tous là ensemble et on sait qu'on partage tous la même chose et on est tous dans la même galère et peut-être que dehors tout le monde pense qu'on est que des gros geeks et tout, mais ici on est super super proches ensemble et c'est super génial, donc lancez-vous et au final ce que pensent les gens, enfin on s'en fiche quoi, c'est vraiment cool. C'est toujours quand il faut parler qu'on trouve jamais rien à dire. Bah oui. Je reviens. Désolée. J'ai bien répondu. Ouais, sinon ça va. Ah oui, c'était très intéressant, vraiment. Je peux dire des gros mots? Bien sûr. Des gros mots. C'était Kéfer tout à l'heure, donc. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est. Enfin, c'est moi qui l'ai dit. Oui, Zelda. Oui. J'ai enfin fait le jeu de Pokémon. Ah non, j'ai jamais joué à un Pokémon du tout. Ouais. C'est bon pour vous ?